Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la deuxième conférence mondiale sur la liberté de la presse. Je suis heureux d'être des vôtres en compagnie de notre exceptionnel ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et du ministre Morwaeng du Botswana, qui co-présidera la conférence aujourd'hui. Lors de la dernière conférence mondiale à Londres, il y a un an et demi, on ne se serait jamais douté des défis que l'année 2020 nous réservait. Par contre, ce que nous savions déjà, c'est que la liberté de la presse fait toujours partie d'une solution. In the last few months, we have seen how free, open debate based on facts is the only way forward. Not only is press freedom a cornerstone of democracy, it's a fundamental building block of strong, healthy societies. When journalists can do their jobs, when citizens can get good, reliable information, everyone does better. Now, that's how things should be. But as you all know, all too often, that's now not how things are. Today, we see citizens calling for change from Hong Kong to Belarus, only to have the authorities attack the freedom of the press. We see journalists casting light on human rights abuses and on this pandemic. People like Cho Soo-woo, Hua Lone, and Maria Ressa, only to face repression and violence. It is never acceptable for a journalist to be attacked for doing their job. It is never acceptable for a reporter to be thrown in jail for interviewing a peaceful protester. And it is never acceptable for anyone anywhere to have their freedom of expression denied. A crackdown on the media puts democracy in danger. It puts lives in danger. So when we see it happening, we can't turn away. We can't wait for someone else to act. After all, a free, independent press doesn't happen by itself. It happens because, as citizens, we know it is vital to our shared future, and so we accept nothing less. Le Canada défendra toujours la liberté de presse, comme nous défendrons toujours la liberté d'expression. Chez nous, au Canada, nous avons pris les devants en investissant dans le journalisme local et sur la scène internationale au moyen d'initiatives telles que l'engagement de Charlevoix pris par le G7 et la Coalition pour la liberté des médias. Ensemble, nous faisons un travail fort important. Alors, merci de vous impliquer. A little later today, Minister Champagne will have more to say about how Canada will continue to invest in global initiatives that defend free media and push back against disinformation. I know you'll also be discussing the findings of the high-level legal panel of experts on media freedom, a group on which Canada is very ably represented by the Honorable Erwin Kotler. This panel is a great example of the power of working together as civil society, government, and global organizations to stand up for the kind of future we all want to build. Lorsqu'on vit des périodes de changement, c'est à nous de saisir l'occasion et de décider de la suite des choses. C'est à nous de nous battre pour une société plus juste et plus saine où tout le monde, partout, est libre de faire entendre sa voix. Ensemble, je sais qu'on peut y arriver. Merci encore de participer à cette conférence et merci pour tout votre travail acharné.